Bonjour, l'équipe de Woodworking Dématérialisé est heureuse de vous présenter une des vidéos composantes le cours théorique de la tenonneuse à dérouleur. Voici le lien du site de e-learning et le lien permettant votre inscription. Dans cette petite vidéo, je vous présente la cinématique de coupe d'une tenonneuse à dérouleur. Considérons pour la machine trois blocs d'usinage composés d'une scie à tronçonner, de deux rouleaux bouffe-tout permettant le tenonnage et enfin un arbre vertical permettant les contre-profils ou les enfourchements. Voyons ensemble quelles sont les possibilités qu'offre cette machine en termes de réglage. La table support de pièces de l'usinage permet un serrage efficace à l'aide d'un presseur excentrique. Un réglage d'angle par pivot de la règle permet l'usinage de tenons biaisés. Le réglage du tronçonnage permet de gérer la longueur du tenon, de l'arasement jusqu'au bout du tenon. Pour ce qui est de la longueur de la pièce, elle se fait à partir d'une butée située sur la règle, jusqu'à la rase du tenon. Le réglage de la joue du tenon se fait par une poignée qui actionne les deux rouleaux. Ensuite, une poignée permet de régler indépendamment le rouleau haut pour la gestion de l'épaisseur du tenon. Ainsi, pour un tenon simple, seuls ces trois réglages sont nécessaires. Certaines machines offrent les réglages de joue et d'épaisseur indépendantes l'une de l'autre. Voyons à présent des usinages un peu plus complexes avec la possibilité de ravancer la rase du tenon. Dans cet exemple, l'usinage d'un contre-profil, je supprime l'usinage de joue pour effectuer à son emplacement le contre-profil. La toupie permet l'usinage de contre-profil comme montré dans l'exemple, mais également d'enfourchement. Il est possible premièrement de jouer sur la spécificité de l'outil, sa hauteur de coupe et enfin sa profondeur. On rappelle qu'il est strictement interdit d'effectuer ces réglages lors du fonctionnement de la machine, mais également que l'usinage doit être réalisé avec une pièce maintenue fermement. À vous de jouer !